Mes bons amis, vous aviez peut-être remarqué que depuis quelque temps, je m'étais fait rare dans ce petit espace numérique. C'est pas que je faisais la gueule, c'est que j'avais peur de vous contaminer. Ah ben oui, peut-être le Covid. Voilà. Et puis on m'a dit que non, 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 non. En fait, avec YouTube, c'est pas le virus de la Covid qui se répand, c'est le virus de la connerie. Du coup, maintenant que je sais que je peux vous parler sans masque, là, comme ça, c'est mieux. Je reprends. Voilà. Et alors, justement, le masque. Ah, oui, alors, parce que je voudrais vous en parler, parce que par ici, en Ariège, c'est encore un combat terrible entre les pros et les anti-masques. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a des coins où vous avez tourné la page, ça y est, vous êtes, oui, vous êtes plus dans des vecteurs complotistes plus raffinés, mais en fait, non, il y a encore le masque, vous voyez? Et alors, là, c'est la guerre, hein? Oh là 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 là! Après, non, après, on est dans un département où tout est motif à engueulade assez sévère. Ah, si, c'est-à-dire, on a été modelé par le débat sur l'ours, tu vois, et donc c'est assez. Donc c'est toujours, hein, pour les éoliennes, les autoroutes, les poubelles, le temps qui fait, il y a toujours les pour et les contre. Même si, à vrai dire, quand même, il y a généralement plus de contre que de pour. C'est une tradition locale, ce qui fait que même quand tu es pour, tu as tendance à dire que t'es pas contre, tu vois. Voilà. Mais on sent quand même que sur le masque, il y a un débat fratricide, quoi, qui est assez rude quand même. Je vois, à la sortie de l'école, t'as vraiment les groupes des je sais pas en élève, t'as les groupes des sans masque et le groupe d'avec, tu vois. Attention, quoi. Avec une multiplicité, hein, de pour et d'anti. Je veux dire, par exemple, chez les anti-masques, t'as les anti-masques de génération Babos, tu vois, qui sont assez présents quand même dans les Hautes-Vallées, et qui sont quand même plus dans une approche libertaire, donc pour le rejet du masque. T'as les anti-masques aberrés, tu sais, oh, putain, on va pas être emmerdé par qu'on arrive le masque, merde. T'as ceux qui sont contre, sans savoir vraiment pourquoi, mais qui sont contre parce qu'ils aiment bien être avec les contre. Et puis alors du côté des pour, généralement on ne sait pas très bien pourquoi on est pour, mais enfin, probablement qu'on est pour parce qu'on est contre les contre. Bon, voilà. Et alors ça s'enflamme assez vite quand même. C'est inflammable, cette affaire. Alors la question c'est, et toi alors, puisque t'en parles. Voilà. Alors, moi... Comment vous dire? Je me demande pourquoi on se focalise autant sur les masques. Non, mais c'est vrai, parce que si tu regardes bien, à propos d'atteinte aux libertés, depuis des millénaires, on nous oblige à porter le pantalon. Eh ben oui, le pantalon, ou la jupette, ou la jupe, ou le kilt, ou je sais pas, le short, ou la petite culotte, enfin bref, tout ce que l'industrie textile complote pour nous foutre sur les boules depuis des millénaires. Et voilà, et tous les matins, sans rien dire, sans se rebeller un seul instant, qu'est-ce qu'on fait? On met un pantalon! On met un pantalon, camarade! On se soumet au textile comme ça, et voilà! Et les parents d'élèves, ils viennent devant l'école en pantalon, habillés! Je me fais rire, moi, avec le conflit, le pour et les anti-masques, bon sang! Le véritable combat à mener, et le combat autour du pantalon! Bien sûr! Retrouvons cette liberté essentielle, sauvage, animale! Ben oui, pourquoi pas? Tombons le pantalon et la petite culotte! Exhibons les boules et les fessiers! Libérons le frifri, le bâton de sagesse et le menu abricot! Faisons enfin preuve de liberté essentielle! Je veux dire, pourquoi pas? On cherchait le pain comme ça. Nu, avec un masque. Avec un masque pour faire plaisir au gouvernement et puis pour
Parce que si on est tous à poil, si ça se trouve, on sera bien content de ne pas être reconnu. Voilà. Là-dessus, santé, intelligence, et portez-vous au chaud, le masque.